Résoudre l'équation. Nous avons ici 8 fois la quantité 3x plus 10 est égale à 28x moins 14 moins 4x. Pour résoudre cette équation, comme d'habitude, il nous faut rassembler tous les x d'un côté de l'égalité. Donc on va commencer à gauche ici, déjà règle de distributivité, on va devoir faire 8 fois 3x et 8 fois 10, ce qui nous donne 3 fois 8, 24x plus 8 fois 10, 80. Est égal à, de ce côté-ci, 28x moins 14 moins 4x. Eh bien, on peut rassembler tous les x. On a 28x moins 4x, ça fait 24x moins 14. Déjà, ça a l'air un peu suspect. On a 24x plus 80 est égal à 24x moins 14. Mais on va continuer, on va aller au bout de la résolution. Si on veut enlever les x de ce côté-là, on va devoir enlever 24x. Donc, si je fais moins 24x ici, je dois faire aussi moins 24x à droite. Et là, je me retrouve avec les x qui s'annulent. Il me reste 80 est égal à, eh bien, de ce côté-là aussi, les x s'annulent et il me reste moins 14. 80 égale à moins 14, ça c'est une affirmation complètement fausse. Peu importe le x qu'on va choisir, jamais 80 sera égal à moins 14. Ça sera impossible. Et donc tout simplement, cette équation n'a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Il n'y a aucun x permettra de vérifier l'égalité 80 égale à moins 14.